ça vient nourrir cette idée d'un message qui pourrait être adressé à quelqu'un. Et de toute façon dans l'espace, parce que l'onde ultrason ne peut fonctionner que dans un élément comme l'air, l'eau, ne peut pas voyager dans le vide, une fréquence ultrason. Par contre, une onde électromagnétique, c'est aucun problème pour elle. Mieux que ça, sa vitesse de propagation est constante dans l'espace. Donc à part si elle rencontre quelque chose, un obstacle qui l'empêche de traverser, quelque chose qui se opaque à sa capacité de voyager, elle peut aller infiniment loin avec la même puissance. Donc c'est un message. Et dans ce cas-là, un message à qui? Parce que c'est ça. Un message à qui? Si on est sur Terre les seuls, et si on s'en persuade qu'il n'existe aucune vie, même à proximité, qui puisse recevoir ce message, on doit bien imaginer que les personnes qui ont émis ça ont connaissance d'une vie extérieure, située quelque part. Il restera peut-être qu'à prendre comme cible la destination que prend cette fréquence. Et que cette vie là-bas est censée recevoir un message indiquant, en tout cas, d'une manière certaine, qu'il y a quelque chose sur Terre à cet endroit précis qu'est la vallée de Visoko. Pourquoi, comment? Encore une chose qui nous dépasse. Et là, c'est vrai que quand, comme moi, on a acquis une certaine crédibilité scientifique, qu'on est écouté par la science officielle, je ne suis pas pris pour un charlot, un comique. Aller leur parler d'extraterrestres, c'est un peu délicat, quoi. Et je n'en aurais pas parlé, j'aurais même pas fait cette émission, si je n'avais pas été témoin moi-même, il y a peu de temps, d'une observation ufologique, où franchement je suis resté baba, parce que ceux qui me connaissent depuis de longues années, vous le savez, j'étais jusqu'à présent méga sceptique sur cette histoire d'OVNI, et depuis longtemps. Pas contre, pas braqué, dubitatif. C'est plus le cas. Et si je vous parle de ça, c'est parce que, ben, force est de constater qu'il se passe quand même quelque chose. Hein. Parce que ce que j'ai vu, c'est clair, c'est pas un avion, c'est pas un drone, je veux dire, faut être clair. Je suis resté complètement... Ben, c'est toujours pareil, hein, comme Saint Thomas. Hein. Saint Thomas, tant qu'il voit pas, il croit pas, mais une fois qu'il voit, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Ah, j'ai vu, hein, je l'ai pas rêvé. Hein. Et moi, c'est pareil. J'ai bien vu cet ovni, et je l'ai vu de vachement près, puisqu'il devait être, allez, à tout berzin, il y a 800 mètres de moi. Donc, aujourd'hui, je suis forcément plus ouvert au phénomène ovni, au phénomène, en tout cas, possiblement extraterrestre. Et une fréquence qui part dans l'espace vers nulle part, avec, comme mon copain Jérôme est en train de me décrypter la fréquence, un message visiblement toujours le même adressé, c'est de genre aussi peut-être un message à l'aide, hein. Pourquoi pas. Alors Ludo, oui, effectivement, il y a eu de nombreuses observations d'OVNI sur la région de Visoko, mais pas seulement. Figure-toi que là-bas, il y a toute une installation militaire de l'OTAN. Et si tu lis mon bouquin, tu vas te rendre compte que ça n'a pas été de la tarte, parce que ces gars-là, c'est pire que le sparadrap sur la chemelle. Hein. Pour te débarrasser d'eux, c'est la fête. Hein. Donc, ils étaient extrêmement nerveux d'ailleurs qu'on ait un drone et qu'on s'amuse à balader d'un point à un autre pour faire nos relevés aériens. Peut-être parce qu'ils avaient peur qu'on découvre qu'ils avaient des installations d'écoute de ce qui se passe du côté russe. Hmm. Donc, ils ne pouvaient pas nous astreindre, tout juste, nous suivre de très près et se dire, pourvu qu'ils découvrent rien. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Qu'est-ce qu'il y a de caché là-bas qu'on ne sait pas? Alors, Steve, effectivement,
C'est une très bonne question. Est-ce que j'ai une idée vers où se dirige cette fréquence électromagnétique dans l'espace? Pas la moindre. Mais je pense que même quelqu'un avec Google Earth arriverait à le trouver, parce qu'il suffit de trouver la longitude et la latitude pour trouver la verticale de la pyramide du Soleil. Partant de là, de se projeter hors de la planète, de prendre la trajectoire de rotation de la Terre et de regarder par rapport à la voûte céleste quelles sont les étoiles, quels sont les endroits qui sont balayés par cette fréquence. Qu'est-ce qu'elle trace comme trait sur la voûte céleste? Ce serait intéressant, effectivement. Ce serait intéressant. Alors non, ni la vallée ni les pyramides ne ressemblent à une constellation. Et il n'y a pas non plus d'assemblage qui pourrait penser à la constellation d'Orion sur place. Mais ça ne veut rien dire. Bien sûr qu'il y a une majorité de constructions qui ont copié la constellation d'Orion. Mais peut-être qu'il manque des éléments, qu'il manque des monuments qui pourraient montrer qu'en fait, effectivement, il y avait un assemblage répétant encore une fois la constellation et le baudrier d'Orion. C'est possible. Tu sais, quand on regarde la pyramide du Soleil, beaucoup de gens nous ont dit « Ouais, c'est pas une pyramide, elle n'a pas quatre pans. » Mais si elle a quatre pans, il suffit de la regarder avec un drone, elle a quatre pans, il n'y a aucun problème. Et je l'ai montré dans le film « Vallée de Visoko, l'incroyable vérité ». Je veux dire, elle a quatre pans, sauf qu'une partie a été bouffée par les glaciers lors de la dernière des glaciations, et l'autre partie a été littéralement prélevée par les habitants alentours qui ont ainsi terrassé leur champ, leur terrain, en allant pomper de la terre là où elle se trouvait, quoi. Mais on trouve quand même encore, si on prend l'apex, on revoit très nettement les quatre côtés de la pyramide. Donc, oui. Alors après, le Nil, là-bas, s'appelle la Bosna. Hein. Mais encore une fois, tu vois, par rapport à la majorité des pyramides, toute pyramide se trouve pas loin d'un point d'eau, d'un fleuve, d'une rivière. Toutes, sans exception. Et la pyramide du Soleil ne déroge pas à ça, puisqu'elle a le fleuve national, la Bosna, qui passe carrément à côté. D'ailleurs, je te rappelle que le labyrinthe de Ravenée a été entièrement bouché, complètement effacé par une civilisation d'il y a à peu près 5000 ans, en prélevant tout simplement le sable des berges de la Bosna juste à côté. Donc oui, Orion reste une possibilité, mais il n'y a pas assez d'investigation sur la vallée de Visoko, la vallée des pyramides, pour pouvoir arriver à s'assurer qu'on a une vision claire de cette vallée avec l'intégralité des monuments qui se sont succédés dessus, parce que je ne peux pas dire d'époque, puisqu'apparemment ça s'est passé sur plusieurs époques différentes. Mais il est tout à fait possible que si on arrivait à faire une véritable investigation très précise dans la vallée, on arriverait à peut-être trouver des monuments manquants, des espaces manquants qui permettraient, comme un puzzle, de rajouter des pièces manquantes. D'autant plus que, face à la pyramide du Soleil, de l'autre côté d'un petit vallon, il y a la pyramide de la Lune. Et sur la droite, tu as ce qu'on appelle le Tell, ou le temple de Gaïa. Pourquoi? Parce qu'on retrouve sur cette droite au moins 13 à 15 civilisations, points de vie, qui se sont littéralement succédés. Alors tu sais que ce genre de succession en millefeuille, on appelle ça un tel. Et en fait, ce tel a vécu au moins 13 espaces de vie différents. Donc il y a, on peut considérer que s'ils ont vécu là, ils ont vécu dans toute la vallée, donc forcément, on peut imaginer que la vallée a évolué, en fait. Il est possible qu'il y ait des monuments qui aient été construits
détruit ou enterré. Regarde Gob et Plitt TV, je veux dire, ça a été enterré. Il a fallu un berger pour que finalement on retrouve le monument tout entier. Qui aurait pu imaginer Gob et Plitt TV? Là, il est tout à fait possible. Tu as vu, je t'ai parlé tout à l'heure d'Albert Fagioli, qui aurait retrouvé un temple parfaitement rectangulaire et souterrain, enterré, complètement enterré. Alors personne n'est allé voir si effectivement ce temple existe, et personne n'a fait de fouilles, pour la bonne raison que les fouilles, c'est pas qu'elles sont interdites là-bas, c'est qu'il n'y a pas les moyens de les faire. Pas pareil. Ça doit coûter une blinde de tenter une exhumation d'un bâtiment qui, à mon avis, au vu de sa taille, est à peu près aussi grand que l'Acropole. Donc, t'imagines 30 secondes, l'Acropole sous terre et tu devrais le dégager. Donc, oui, on peut tout imaginer là-bas, dans la vallée. Puisque, malgré les travaux qu'on a faits, malgré les recherches que j'ai faites, et malgré le fait que je sois reconnu internationalement, hein, comme étant l'expédition qui a mobilisé le plus de personnes et le plus de moyens en un instant T, pour mettre la main sur la vérité. Le gouvernement bosniaque me demandait la vérité, il ne me demandait pas de casser le seigneur Osmanadjic ou la fondation, il n'était pas contre. Il n'était pas dans le camp des détracteurs, il était dans le camp des gens qui se posaient une question, est-ce que réellement il y a quelque chose là-bas? Et comme Sémir avait besoin de ma caution compte tenu de ma notoriété internationale, c'était le moment idéal pour les gouvernements bosniens de dire, dites au fait, est-ce que vous ne pourriez pas le faire en notre nom? Et de demander à la Fondation de Bosnie, à Semir Osmanadjic, de collaborer. Ce qu'il a fait d'ailleurs, et je dois rien, j'ai rien à dire à moi, à Semir Osmanadjic. Il nous a ouvert absolument toutes les portes, on a eu accès à absolument tout. Rien. Même les chantiers qui étaient interdits au public, on a pu les visiter, les explorer, les fouiller, même dans certains cas, sans qu'on ait la moindre opposition de sa part. Il nous a fourni de l'eau. Nous, on a récupéré l'eau d'un des canaux souterrains, et lui, il nous a donné l'eau de percolation du tunnel, pour qu'on puisse faire des comparatifs, etc. Et ces comparatifs sont dans ce bouquin. Hein, les enfants, c'est là-dedans. C'est pas du blabla, hein, c'est du tangible. Ben oui, Steve, l'armée là-bas, et puis pas n'importe quelle armée, s'il te plaît, l'OTAN, hein, l'organisation du traité nord-atlantique, on rigole plus, là. Le camp de l'Ouest face au rideau de fer. Ben oui, c'est tout à fait particulier, hein, tout à fait particulier. Et je te dis, franchement, ils étaient pas à l'aise. Ils étaient pas à l'aise. D'ailleurs, j'ai des images et des photographies d'hélicoptères Black Hawk. Je pense que toi, qui es au Canada, tu sais ce que c'est que les Black Hawk, ces hélicoptères sans marquage, peints en noir, et qui font des balades bizarroïdes à la Men in Black, tu vois. Ils ont tourné, hein, autour de la pyramide du Soleil et des points de la vallée. Et on ne sait pas pourquoi. On sait juste qu'ils étaient là. On les a filmés, on les a photographiés. Et j'ai même un ami qui est là-bas, qui tourne régulièrement, qui fait plein de choses sur la Bosnie, qui s'appelle Djoke. Et Djoke, là-bas, il a filmé lui aussi avec ses caméras, parce que c'est un cinéaste, il a filmé ces fameux Black Hawks. Il y a quelque chose là-bas, c'est clair. Il y a quelque chose, il y a un mystère là-bas. Et un mystère bien gardé, hein, parce que, tu sais, longtemps, ils nous ont mis en devant les champs de mines à tout va pour éviter que les gens baladent sur les flancs de la pyramide et fouillent un peu partout, s'aventurent, tu vois. Oh là là, si vous allez là-bas, vous risquez de mourir. Hein. Et puis, il faut dire que, juste avant qu'on vienne en 2013, juste avant qu'on arrive, deux jours avant, il y a un couple d'Hollandais qui avait sauté sur une mine. Donc, bien sûr qu'il y avait des mines à l'époque. Maintenant, les informations disent qu'il n'y en a plus. Hein. Ils ont déminé absolument tous les lieux. Enfin, s'il en reste, ce sera accidentel dans tous les sens du terme. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, non. Mais,
quand nous on est venus, il y avait une très très forte pression. Et il n'aimait pas du tout ce qu'on allait faire et comment on allait le faire. Ils sont venus nous voir hein, à l'hôtel. Si, si, ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous demander de collaborer. C'était plutôt faites ce qu'on vous dit, c'est dans votre intérêt. Ah, c'est plutôt ce langage-là. Hein. Mais bon, pour ceux qui me connaissent, même l'OTAN ne m'impressionne pas. Hein. Et quand on veut mettre à bas cette civilisation, même l'armée américaine tout entière ne m'impressionnerait pas. Hein. Donc, quand on sait ce qu'on veut et qu'on sait où on va, il n'y a rien qui vous effraie. Après, évidemment, on peut toujours vous arrêter. Hein. Une balle de neuf, par exemple. Mais bon. Vraiment, il y a des choses extraordinaires qui se passent là-bas. Vraiment, il y a des choses extraordinaires, des choses complètement anormales. Complètement anormales. Salut Manu, ben, c'est moi qui te remercie d'être là. Hein. Salut Héro, ça va bien? Eh oui. Tu vois, je savais que tu les connaissais, ces putains de Black Hawk. Eh ouais, Steve, eh ouais, c'est... C'est bizarroïde, hein, mais c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Voilà. Donc, il y a véritablement des choses étranges qui se passent dans la vallée de Bizoko et qui ne sont pas résolues et qui seront, à mon avis, pas résolues avant que quelqu'un décide de mettre les pieds dans le plat. Mais tu sais, quand tu regardes comme les gens en Roumanie sur le mont Bucegi ont été mis au silence, tu t'imagines bien qu'on est toujours dans un pays, un ex-satellite de l'ex-Union soviétique et que la politique du silence est une règle là-bas standard de chez standard. Donc je pense que beaucoup de gens doivent savoir des choses sur place, mais ils ne le diront pas parce qu'ils ont bien trop peur d'un risque pour, comment dirais-je, leur sécurité, leur famille. Hein. Alors oui, voilà, justement, Steve, encore oui, effectivement. Je reprends ta question pour le reste du public. Hein. Tu me dis que tu as une question par rapport à ce que je disais au niveau de distance entre les pyramides et que je te parlais d'une constante de 300 km. Non, je ne te parlais pas d'une constante de 300 km, Steve. Je te disais simplement que c'était extrêmement surprenant qu'entre la pyramide du Soleil et le mont Ortange, ces deux endroits émettent sur la même fréquence ultrason de 27,4 kHz, mais surtout que la distance entre les deux est d'exactement 300 km. Quand même, c'est un coup de bol mathématique, ça, on est dans l'auto là, tu vois, deux monts séparés exactement à la règle par 300 km. Et tous les deux émettent sur la même fréquence. Avoue quand même que déjà là, alors après, ton idée n'est pas bête du tout. Est-ce que par hasard, en recalculant tous les 300 km, on ne pourrait pas mettre la main sur une singularité qui, elle aussi, émet sur 27,4 kHz? J'invite n'importe qui du public à se poser la question, en premier lieu, à essayer de trouver un point dominant, au point de vue géologique, hein, ou même au point de vue artificiel, parce qu'on peut très bien mélanger le géologique terraformé à l'artificiel type pyramide de Khéops. Hein. C'est pas interdit, la preuve, avec la pyramide de Chichen Itza. C'est du construit, c'est pas du naturel. Et pourtant, elle émet une fréquence de 27,4 kHz. Ce serait très intéressant de voir, effectivement, mais il y a un travail à faire avec Google Earth, je t'en parle même pas, quoi. Moi, matériellement, j'ai pas le temps. Mais si quelqu'un voulait se lancer là-dessus, ça pourrait être intéressant de voir ce qu'il trouve. En sachant qu'il lui faudra, si l'on écoute Wesley, tenir compte du dessous, des grottes, peut-être, et sous l'eau. La pyramide de notre ami Berlitz aux Bahamas commence à devenir un peu concret tout ça. Tu vois? Donc, à voir. Hein?
Évidemment, il faudrait, une fois qu'on a identifié tous ces points culminant tous les 300 bornes, de vérifier si chacun émet une fréquence. Mais poussons le délire jusqu'au bout. Tu t'imagines 30 secondes si on trouvait un certain nombre de pyramides, toutes alignées à 300 km, tout bon, émettant comme par hasard 27,4 kHz. On ne pourrait plus parler de naturalité des choses. Hein. On serait plutôt dans l'expectative, hein, en se posant la question qui, quoi, pourquoi, comment. Tu vois, c'est autre chose. Hein. On est vraiment dans autre chose. Alors, y aurait-il un site souterrain hors norme comme Obuseiji? Alors, Ida, dans la vallée, on n'a pas fouillé les points souterrains, on n'a pas eu le temps. Je ne sais pas s'il y en a, en plus. À part peut-être le labyrinthe Ravenée, qui lui-même est quand même un truc tout à fait particulier, comme je l'expliquais en début d'émission. Ah, une architecture surélaborée pour l'âge à laquelle cet endroit a été construit, une technologie qui fait appel aux lois de l'aérodynamique pour des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'un avion. Donc je veux dire, enfin, qui ne savent pas. Qui sont prétendus savoir ne pas savoir. Donc, je veux dire, c'est. Voilà, effectivement, hein, là, c'est très très difficile de pouvoir te répondre comme au Obuseiji. Mais de toute façon, ils ont ces deux endroits ont un point commun. L'armée y est très présente, elle a foutu une coupe là-dessus, et elle demande à tout le monde, passe-moi l'expression, elle est vulgaire, de fermer sa gueule et de passer au large. Hein, et je te l'ai dit tout à l'heure en cours d'émission, si nous n'avions pas eu un mandat plénipotentiaire du gouvernement bosniaque, je ne crois pas qu'on serait rentré en France. On aurait purement et simplement disparu. Donc, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de mystères encore qui restent dans la vallée de Visoko. Et je me fous de ce que disent les détracteurs. D'ailleurs, je finis par me demander même s'ils ne sont pas un peu payés pour ça. Tu vois, s'il n'y a pas des sbires de ces genres de guignols du nouvel ordre mondial pour salir la réputation des mecs qui cherchent la vérité et essayer de faire passer l'endroit pour une grosse bouffonnerie ou un parc d'attractions. Alors après, il faut que je reconnaisse que quand même, ces derniers temps, la vallée de Visoko s'est un peu transformée en Disneyland. Hein, et j'ai lancé tout mon. Comment dirais-je, le fait que je désapprouvais cette politique de transformer ce lieu archéologique en un parc, comment dirais-je, de détente et de loisirs, ça n'a rien à voir. Hein. Et d'autant plus que il y a une certaine perversion qui s'est installée dans la vallée. Certaines singularités, et déjà à l'époque de 2014, hein, quand j'ai fait l'exploration, on sent qu'il y avait eu du terraformé très récent, tu vois. C'est-à-dire que quand quelque chose n'était pas assez architecturé, on a un peu aidé. Bon, après, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Je sais reconnaître quand même les traces d'une meule, hein, quand il s'agit de découper. Donc, j'ai quand même passé un test il y a quelques années, que j'ai réussi avec 93% de réussite. Qui font que je sais, j'ai une expérience de tout ce qui est construction antique, et des fois tu me présentes un morceau d'un monument, je peux te dire qu'est-ce que c'est que ce morceau, qu'est-ce que c'est que ce monument, et où ce morceau se trouve dans le monument. Donc, essayer de me faire prendre des vessies pour des lanternes, on peut le faire à plein de gens, mais à moi ça va être dur. Hein. Peut-on trouver un point focal d'émission de ce rayonnement s'il y a plusieurs points de départ? Peut-on trouver un point focal? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si Romain t'étais en cours d'émission à ce moment-là, mais le point d'émission de l'onde électromagnétique au sommet de la pyramide du Soleil est situé en fait au fond de la pyramide du Soleil, à peu près à la hauteur de la chambre du roi, par 60 mètres de profondeur. Ça, c'est une chose qu'on sait.
vers quoi l'onde elle-même se dirige en partant dans l'espace, mais comme je l'ai dit aussi dans cette émission il y a peu de temps, à part d'aller faire un repère longitude-latitude, vérifier à quel angle ça prend sur le globe terrestre, et imaginer la rotation du globe avec cette fréquence qui tourne du coup, fait un cercle elle aussi sur la voûte céleste, on pourrait peut-être déterminer une ligne sur la voûte céleste traversée par cette fréquence, mais ça ne nous donne pas un point fixe sur la voûte céleste nous disant cette onde est à destination par exemple de telle étoile. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas. Maintenant, il y a plein d'autres informations, plein d'autres choses que je n'ai pas encore assemblées, auxquelles je réfléchis. Le chevalier noir, par exemple. Ce fameux satellite bizarroïde qui émet des fréquences de lui-même tellement dangereuses que les engins spatiaux russes et américains n'osent même pas l'approcher et qu'on pense que les problèmes, je crois, du retour de Columbia sont dus au fait qu'ils ont demandé à Columbia d'aller voir de près à quoi ressemblait le chevalier noir et que ça aurait affecté les ondes électromagnétiques, aurait bousillé leur bouclier thermique sous la navette, de telle manière que lorsqu'elle est entrée dans l'atmosphère, ben en fait, elle n'avait plus de bouclier du tout. Enfin, il était de toute façon défectueux, qu'ils ont cramé, mais d'une force. On ne sait pas. On ne sait toujours pas ce qu'est le chevalier noir. On ne sait pas. Personne, tout le monde parle d'une épave, d'un truc, enfin une épave. Cet engin, il a été observé dans les années 50, et même avant, je crois, 40, 44, 47, chose comme ça, enfin, il était repéré à une époque où il n'existait même pas encore de fusée, à part les V1 et les V2. Il faut être un peu sérieux, ça ne peut pas être une épave spatiale, puisqu'il date d'au moins ça. Donc, on ne sait pas de quoi c'est fait, mais ça pourrait très bien être le chevalier noir qui récupère l'info, j'en sais rien. Franchement, le simple fait qui est cette onde qui part dans l'espace, qui augmente de puissance au fur et à mesure pour pouvoir sortir avec puissance de l'atmosphère terrestre et partir dans une direction donnée, et qui serait couplée à une onde ultrason, qui est en fait un message visiblement parlé qui se répète à l'infini, rien que ça déjà, on sort du normal pour entrer dans le paranormal, hein. Tu seras d'accord avec moi. Je ne sais pas donc où ça va. Est-ce qu'il y a plusieurs points de départ? Non, il n'y en a qu'un. Mais il y a visiblement la possibilité de plusieurs points d'arrivée. Puisque cette onde, elle va balayer une ligne sur la voûte céleste. Eh bien, mon cher Marc, c'est possible que vous ayez 297 et pas 300 kilomètres. Mais, vous savez, la précision à partir de Google Earth, c'est quand même pas non plus... voilà, il faut, je pense, il faut... Il faut faire les mesures presque sur place, j'allais dire. Ou avoir quelque chose qui permet de mesurer plus précisément que sur une carte Google Earth. Maintenant, moi ça me rassure, hein. Vous avez 297 bornes, hein. À 247, j'aurais dit je suis mal, hein. Mais à 297, je suis assez confort, hein. Voilà, donc effectivement, on est dans les 300 bornes. Voilà. Et ceux qui ont fait ces recherches, notamment... un ami qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Slobodan Miltak, celui qui a découvert la fréquence électromagnétique et la fréquence ultrason en 2011 au sommet de la pyramide du Soleil, celui qui a aussi trouvé la fréquence de 27,4 kHz au sommet du mont Rtange, avait défini 300 km, et c'était quand même c'est un physicien le gars, c'est pas monsieur tout le monde quoi. Donc je veux dire, je pense... car lui et son équipe avaient un matos bien plus fiable que nos évaluations. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? 297 plutôt que 300. On chipote. Et pourquoi pas, Romain? Eh oui. Et pourquoi pas, Romain? Comme un phare. Oui. Aussi. Mais ça sous-entendrait quoi, Romain? Un phare, c'est pour entrer dans un port. Si la vallée de Visoko constitue un phare, il est où le port? Et s'il y a un port pour qui, pourquoi? Hein?
Intéressant comme question. Intéressant. Et tu as raison, parce que le phare, c'est une lumière allumée constamment la nuit. Constamment. Cette fréquence est tout aussi constante. Ça se tient, c'est pas idiot. Salut, re-salut Julien, tu t'étais barré 5 minutes là. Ouais. Donc voilà, nous avons, comme vous l'avez vu, un certain nombre de choses qui sont étonnantes. Et si je reviens sur le tumulus de Vatnica, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que j'avais discuté avec Nora, notamment quand j'avais donné les fréquences et qu'on avait épuré et extrait d'une des deux fréquences, non pas celle qui partait vers la pyramide du Soleil, la fréquence du tumulus de Vrhbnika vers la pyramide du Soleil, mais l'autre, celle qui partait à l'opposé. Quand on a réussi à l'épurer, on a obtenu un son absolument régulier, comme une machine qui pulsait, qui poussait la fréquence. Ça faisait un bruit très régulier, comme ça. Et vous l'avez la fréquence, vous pouvez la récupérer. Je crois qu'elle est. Si vous allez sur Nuria TV, vous allez voir les 3 émissions sur les pyramides de Bosnie, enfin la vallée des pyramides, et vous allez retrouver cette fréquence. Vous la prenez, vous l'écoutez avec attention. Vous allez voir, c'est quand même bizarre. J'ai fourni la fréquence normale, c'est-à-dire celle qui mélangeait le bruit de pulsation et la fréquence mécanique répétitive. Et ensuite, on a réussi à les séparer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand on les a séparés, c'était le son absolument mécanique d'horlogerie. Et les fréquences sinusoïdes d'une rigueur absolue à la nanoseconde de ce bruit de machine qui part, augmente, redescend de manière imperturbable et toujours irrégulier, et toujours régulier. C'est impressionnant. Vraiment, on se dit, il y a une machine antique là-dessous, il y a un truc, une technologie. Et d'ailleurs, si vous regardez dans ce DVD, pour ceux qui l'ont, je vous ai mis les photographies du tumulus de Vatnica, et comme pour tous les singularités, vous avez des photographies qui vous permettent en quelque sorte de faire l'ascension avec nous de chaque monument et de voir très exactement tout ce que nous avons vu. Et au niveau du tumulus de Vatnica, quand on arrive au sommet, on a un trou. Il y a un trou dans le sommet qui a été comblé par des cailloux. Il y a quelqu'un, alors je dis il y a quelqu'un parce que je sais que c'est passé 1000 ans, il y a quelqu'un qui a foré, littéralement, hein, pour essayer d'atteindre quelque chose. Visiblement, soit il en a été empêché, soit il a dû abandonner pour X raisons, mais toujours est-il qu'il était quand même au courant de ça, parce qu'on ne va pas forer un tas de terre si on n'y cherche pas quelque chose de précis en commençant par le sommet. Donc, et vous voyez franchement, hein, je l'ai pris en photo, ce trou avec ces caillasses de remplissage au-dessus, exactement au sommet. Alors après, je n'ai pas interrogé les gens autour pour leur demander s'il y avait eu un forage et quand et par qui, etc. Mais c'est toujours des questions à poser là-bas pour ceux qui peuvent y aller. Après, faites gaffe quand même, parce que l'OTAN est toujours là, et que si vous commencez à toucher quelque chose de brûlant, vous n'aurez pas la protection du gouvernement bosniaque. Ce serait quand même un peu dommage que je sois obligé d'aller vous chercher. Et oui, Romain, et oui, ça ouvre tellement de questions. Tellement de questions, cette vallée. Tu vois, et pourtant, quand on pense à tout le ramdam qui a été fait et à l'énergie qui a été déployée pour essayer d'expliquer aux gens qu'en fait il n'y avait rien là-bas, c'est assez marrant. C'est comme le mont Buzenji. Bon, bien sûr, les gens, là, le public que vous êtes, Ida notamment, je crois, vous intéressez surtout à la partie
souterraines du mont Bijeshu. Mais il y a toute une série de sculptures, dont le fameux sphinx, toute une structure complexe. Qui c'est qui l'a fait? C'est pas la nature, hein, croyez-moi. Parce que la nature, elle n'est pas capable de créer un éclairage à une date donnée, à une hauteur de soleil donnée, qui permet d'obtenir avec précision une sculpture tout à fait parlante de personnes, de choses. La nature est bonne architecte, je veux bien, mais enfin, à ce point-là, il faut arrêter. Et puis la similitude entre les statues du mont Bucéji et celle de Marcahuasi au Pérou. Le hasard, une fois, je veux bien, deux fois. Hein, comme on dit, il manque plus que la troisième et on aura une preuve. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir là-bas, beaucoup de questions qui restent posées sur la vallée de Visoko. Je n'ai pas pu tout aborder et je n'ai pas pu tout terminer, c'est pratiquement impossible. À l'heure d'aujourd'hui, et il est très rare qu'à la première expé, on tape dans le mille. En général, c'est au fur et à mesure des expés que l'étau se resserre. Mais généralement, il en faut plusieurs, des fois jusqu'à 4 ou 5, avant d'obtenir une vision assez claire de ce que vous allez chercher, quand vous allez le chercher et là où vous allez le chercher. Voilà, voilà, je crois que j'ai à peu près abordé tout, et si vous n'avez pas d'autres questions, ben je pense qu'on va pas tarder à se quitter, et vous pourrez à ce moment-là me retrouver, mais en vidéo. Ben Ida, merci aussi d'être venue. T'as dit que tu serais là, hein, t'es venue, c'est génial, et j'ai rien à dire d'autre, hein, c'est vraiment... Super. Ludo aussi, hein, merci d'être venu. On ne se connaissait pas, mais sympa, tu as eu des questions intéressantes aussi. C'est génial. J'ai beaucoup aimé la discussion avec Marc. Marc, tu as une technique contradictoire qui est intéressante. Parce que tout à la fois, tu viens me chercher, et c'est bien. C'est bien, tu as raison de venir me chercher. Il faut quand même que je ne sois pas toujours dans ma zone de confort, c'est bien. Mais... Tu as une technique qui n'est pas de la critique, qui est constructive, qui apporte des choses aux gens, et ça c'est très bien, c'est une très très bonne démarche. Continue comme ça, pas de souci. Mon cher Steve, ben, je crois qu'on va pas tarder, hein, on va y aller. Et Ida, merci. Merci Romain, c'était super sympa, tu as posé des questions très très intéressantes. Et je vous le rappelle à tous, hein, n'hésitez pas à me poser des questions en dehors de cette émission. Hein, n'hésitez pas, moi je suis là pour vous répondre, pour vous transmettre. Et je ne me contente pas de faire du blabla. Si j'ai des éléments photographiques, vidéo, textuels, que je peux vous passer pour vous faire avancer et progresser dans vos certitudes, je le ferai, je n'attendrai pas que vous me le demandiez. Hein. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui vous tarabustent, posez les bonnes questions, on est là pour avancer. Hein. Et puis, pensez à une chose, hein, les gars. Je ne suis pas éternel, alors profitez. Allez, Marco, à bientôt. Allez, file, souper, camarade. Ciao, Steve. Ça a été très, très super de se retrouver. À bientôt, les amis, à tous. À ciao.